Eh bien salut les amis, c'est Kermendo et on se retrouve aujourd'hui pour notre dernier épisode normalement de l'aventure de New Super Mario Bros. U Deluxe. On aura presque tout fini à 100%, j'espère que vous allez tous très bien, n'oubliez pas de lâcher plein de pouces bleus. Regardons quand même le menu et le tableau des pièces étoiles. Et ouais, normalement il n'y a plus que deux niveaux, et pas n'importe quel niveau d'ailleurs, hein, parce que là on arrive vraiment... enfin, dans le château de la princesse Peach. Donc là, on a des niveaux qui sont un peu plus différents du niveau de château générique et qui est plus quand même un niveau de genre, bah, vous êtes dans le château de Peach. Mais bon, à part le fond, ça change pas grand-chose quand même. J'aurais bien voulu qu'il y ait des petites références, je sais pas, par exemple, Super Mario 64 ou des trucs comme ça. Alors, je sais que c'est beaucoup demandé, hein, c'est difficile quand même. Nintendo aime pas trop faire ce genre de fanservice. Mais je pense que ça aurait été quand même pas mal. Ça aurait été quand même pas mal. Alors ça, je déteste ça. Franchement, ces mouvements-là... enfin, faire ce truc-là avec les Joy-Con, ça me paraît absolument pas naturel. Je sais pas ce que vous en avez pensé, ceux qui ont joué à cette version du jeu. Mais ça marchait très bien sur Wii U. Ah, mince, ok. Ça marchait très bien sur Wii U, aucun problème. Mais alors sur Nintendo Switch, enfin c'est parce que c'était à la Wiimote. Sur Nintendo Switch, pour moi, ça me pose beaucoup de problèmes. Je trouve pas ça logique de devoir genre jongler avec... de devoir jongler avec les Joy-Con comme ça. Ça me rend fou en fait. Enfin bon, c'est pas non plus si grave, hein. C'est pas quelque chose de terrible. Mais je trouve que c'est quand même pas si ouf. Ça redescend ou pas? Ah ouais, ça redescend quand même, non, parce que sinon, sinon, on pouvait rien faire, là, j'étais mort. Ok, ça me va, merci. Bon, j'ai eu la première pièce étoile, très bien. Oh non. C'est bon, là, vous nous aviez pas déjà envoyé un petit peu trop d'obstacles. Ça, je vais le prendre. Ah bah oui, déjà, en plus, c'est sacrément utile. Je me souviens que j'avais galéré sur ce niveau, hein. Je sais pas si vous en souvenez de... ce niveau sur ma série New Super Mario Bros. U, à l'époque de la Wii U, mais je crois que j'avais pas mal galéré en fait. Je dirais pas que c'était le niveau le plus difficile, mais en fait c'était avoir toutes les pièces étoiles qui était vraiment pas une partie de plaisir. Là j'ai failli tomber en plus, hein, donc bon, on va essayer d'avoir ça, mais c'est pourquoi, c'est pour avoir une pitchette. Ça sert pas à grand chose d'avoir une pitchette là-dessus, hein. Bon, allez, on va la prendre quand même, c'est toujours sympa. Quoi? Bon, pourquoi il a perdu son parachute, là, le paragoum, le param... enfin, le parabobombe, le pauvre. Enfin, la pauvre, plutôt. Aïe! Ah, mince. Mince. On va attendre. Faut aller par là, oui. Très bien, bon, bah, on aura tout lu. Puis je crois qu'il n'y a vraiment pas d'autres passages secrets et tout sur ce monde, donc non, ça aurait été finalement assez simple, assez rapide. Enfin, ce monde entièrement... il y a quand même eu des mondes de fin de Mario Bros, de New Super Mario Bros, qui étaient plus compliqués que ça. Oh, sérieusement? Et viens avec moi, toi. Ah non, non. Parce que si je le prenais dans mes mains, il allait m'exploser à la tête. C'était obligé. Allez, c'est parti pour le dernier niveau, les amis. N'oubliez pas de laisser plein de pouces bleus. Mais je suis sûr que je vais y arriver. Hein. Allez, tranquille. Combien de vies je vais y perdre? Faites vos paris. Ouvrez vos paris dans les commentaires. Combien de vies je vais perdre ce dernier niveau? Ah, il y aura peut-être un autre à... Ah, il y en a pas un haut à droite de niveau? Oh, c'est peut-être pas vraiment le dernier. Ah, je sais plus. Le combat final. Ah bah si, 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 c'est peut-être vraiment le dernier. Je sais plus. Je sais plus du tout. Mais il y a l'air d'avoir un truc en haut à droite. Ah, il faut que j'ai pitchette. Faut absolument que j'ai pitchette pour arriver au boss. Ça, on me l'a demandé dans les commentaires, parce qu'on m'a demandé si Peach avait une réaction différente quand elle voyait Peachette arriver. Si c'est pas le cas, je me suiciderai. Oh, 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 je pouvais avancer, je croyais que c'était une cinématique. aïe, 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 d'accord, ça commence très mal. Et non, mais maintenant, j'aurai pas de Peachette. Ok, si tu tombes dans le vide, ça me va. Non, mais what? Non, mais c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est encore à cause des manettes. Comment ça se passe? Ce problème, il était parti. Genre, je vais retirer encore une fois les 3DS de la trajectoire. J'ai l'impression que c'est tous les trucs qui ont des ondes qui seraient pas ma souris aussi. Attendez, là. Ok, je me mets en position. Ah, mais j'aurais dû prendre un power-up. Je sais pas si je vais réussir à récupérer une pitchette. Oh, il y aura bien des 8 pièces rouges à un moment, non? Ouais, il va bien avoir des 8 pièces rouges à un moment. L'inverse serait étonnant. Et tu tombes jamais, toi? Ah d'accord, ok, il me tombe en plein dessus. Très bien. C'est pas vraiment ce que je voulais. Ok. On peut pas le tuer. Ah, il peut faire tomber les plateformes, je m'en souviens. Enfin, c'est pas qu'il peut, d'ailleurs, c'est qu'il le fait.
très bien. Non, 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 non. Oh là 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 là. Alors, quand même, j'étais en train de vous demander d'ouvrir vos paris pour savoir combien de vies j'allais perdre sur ce monde. Enfin, sur ce niveau, j'en ai déjà perdu 2, quand même. Hein, mine de rien. Et on est qu'au tout début, on n'a même pas dépassé la première pièce étoile. Donc, j'ai un peu honte. Il me faut une pitchette. Il me faut une pitchette à tout prix. Mais il va bien y en avoir une dans le niveau. Là je l'ai pas pris dès le départ parce que je pense que de toute façon c'est rien que je la prenne dès le départ la pitchette. Je risque de la perdre, c'est obligé. Tombe. Ok. Ok, je veux pas ça. Je peux... On lui fait aucun dégât en lui sautant dessus. J'aurais peut-être dû essayer de faire une attaque rodée. Oh. Alors ça c'est pas cool. D'accord, très bien. C'est quand même plutôt pratique de pouvoir tout survoler, hein, je l'avoue quand même. Regardez! Non mais, le niveau me pose plus aucun problème. là, faut qu'il détruise ça. Ouais, pas un seul. Bon, Ah non. Ok, il y a bien une pitchette, mais il faudrait déjà qu'il l'ouvre, le truc. Ok, merci. C'est gentil. Ok... Il me fait peur, il me fait peur, il me fait peur. Ok, c'est pas grave si tu détruis ces trucs-là, c'est rien du tout. C'est juste de la déco. Enfin, c'est pas juste de la déco, mais presque. Mais c'est pratique avec Pitchette de pouvoir lui sauter dessus. Mais il est pas mort alors qu'il s'est jeté dans la lave. Bowser, voyons. Mince! J'avais pas rebondi contre le mur. C'était mon saut de la Pitchette. Oh, la honte. Maintenant j'ai le bloc de Luigi. Bah non, c'est pas le bloc de Luigi, je sais plus comment ça s'appelle, mais j'ai le bloc d'aide, genre, ah, je l'avais jamais vu, je crois, dans New Super Mario Bros. Si, non, j'exagère, hein, je l'avais déjà vu, mais pas souvent quand même, hein. Non, mais, ah, ça m'énerve, bah, parce que là, je vous ai coupé quand même pas mal de morts, mais je suis mort beaucoup de fois, hein. Non, mais, maintenant, je peux pas avancer, très bien. Ok, heureusement, ça réapparaît assez vite, vas-y, fais ton attaque rodéo. Voilà, parfait. Non mais j'ai l'impression que ce dernier monde, les niveaux étaient faciles, puis là on arrive mais genre, oh génial, génial, dans les enfers quoi. Je pourrais pas le dire mieux. Non, non, non. Ok, là il y a la pitchette. Il m'a écrasé mais au moins je peux avoir la pitchette quand même, c'est bien, c'est bien. À partir du moment où... Ok. À partir du moment où j'ai la pitchette, ça devient quand même beaucoup plus facile si j'arrive à me sortir de là, voilà. Ok, parfait. Mais en plus, il essaye de le faire sur nous. Tant qu'il le fait à côté, ça va, ça me pose pas de problème. Mais s'il le fait sur nous, là, c'est un petit peu plus méchant quand même. Ok, vas-y. Ouf, très bien. Ah, mais j'ai toutes les pièces étoiles. Ah, c'était la dernière, ok. Bon, bah, c'est parti, les amis. Là, je pense que ça va être le checkpoint, non? Ok, c'est parti pour le boss. Il y a un pop, mais j'en veux pas. Comme je l'ai dit, je veux arriver devant Peach avec Pitchette. Qu'on voit ce que ça fait. J'attends vos pouces bleus en masse si j'y arrive, hein. Mais ça devrait le faire, parce que là, bon, c'est quand même Bowser à l'ancienne. Ah ouais, mais il y a ça d'abord, ok. Mais si c'est Bowser à l'ancienne, c'est facile. Il suffit juste de... de lui sauter au-dessus, quoi. J'espère juste que lui, il va pas sauter à un certain moment. En plus, les boules de feu passent même pas à travers les murs, donc... merci, mais non. Ok, non, ça me va pas. Voilà, voici Bowser. Et là, il n'y a pas encore Peach. C'est juste Bowser, faut pas que je me fasse avoir maintenant, ce serait bête. Oui, 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 oui. Parfait, voilà, bon bah, le jeu est terminé, les amis. Non, non, c'est pas fini, hein. Ceux qui connaissent pas, vous le savez très bien que c'est pas terminé. Le combat ne fait que commencer. Mais attendez, mais il n'y a vraiment pas un niveau après? Parce que je me souviens que l'introduction du boss, elle était pas comme ça. Attendez. Oui, bon, bien sûr, Kamek revient, il fait son petit coup, là... il fait son petit truc magique, il a plus son balai, là. Ah bah non, depuis qu'on l'a eu, il a perdu son balai. Ok. Là, Bowser, il va se vénère, comme d'habitude. C'est dommage qu'on voit plus Bowser squelette. Ah bon, on l'a pas vu, d'ailleurs. Non, mais ça va pas tarder. Hein. Ah, voilà, Peach. Je suis là, je suis en bas. D'ailleurs, pourquoi Mario il essaye de sauver Peach alors qu'il a une pitchette sinon? Et voilà.
D'ailleurs, Toadette, je sais pas si vous savez, mais elle était amoureuse de Mario dans Paper Mario 2, hein. Hein? What? Bah oui, en effet, elle doit se dire, mais... What? Mario? Mais tu as bien changé, dis donc, depuis la dernière fois. Tu t'es rasé, t'es devenue blonde, et maintenant t'as une robe. What? Bon, ça change pas grand-chose, mais c'est marrant quand même. Allez, c'est parti pour battre le boss de fin, avec des boules de feu qui tapissent le sol. Alors, ce boss, il est plutôt cool en fait. Enfin, il n'y a pas de... En fait, hein, je le savais déjà qu'il était cool, mais il est vraiment super sympa. Genre, la manière de le battre est vraiment super cool. Oh non, 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 j'aurais dû passer derrière lui. Saute, 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 saute. Ok, très bien. Allez, ressaute! Là, il va ressauter, faut que je passe derrière. Non, je... Ok, très bien. C'était pas le moment. Il fait même pas, genre, un séisme quand il revient sur le sol, Bowser. D'accord. Alors que les frères Sumo en font, Bowser, il est genre 15 000 fois plus gros, mais bon, pas de soucis. D'ailleurs, on peut tuer Bowser Junior si on veut. Mais je sais pas si c'est vraiment utile. Je crois que je l'avais fait, non? J'avais dû m'amuser à le faire, mais je crois que ça sert à rien. Parce que là... Voilà. J'essaierai peut-être au dernier coup. Ok. Ah voilà, là je l'ai eu une fois. Ah, comme ça je peux revenir là-dedans. Ah, je savais pas ça. Ah, c'est à ça que ça sert en fait de le neutraliser, Bowser Junior. Mais c'est quand même cool, hein. J'ai demi-tour. Ah là, il va m'avoir. Ah non, il m'a pas eu. Ok. Alors là, il va envoyer ses boules de feu, donc faut pas l'attaquer maintenant. Ah ouais, c'est vrai que Bowser Junior, il essaye de sauter pour nous avoir. Ah là, je pourrais l'avoir, Bowser, non? Oui! Non, il est cool, ce boss. Il est facile, hein, malheureusement, il est beaucoup trop facile. Ça manque un peu, genre, de boules de feu qui arrivent sur les côtés, un peu plus de boules de feu qui tombent du ciel, mais il est quand même sacrément épique, je trouve, hein. Ça, pour moi, c'est peut-être le dernier New Super Mario Bros. Je pense qu'on aura d'autres Mario Bros 2D, hein, un jour ou l'autre, mais à mon avis, ils changeront de formule. Et donc je pense que c'est une bonne façon de finir New Super Mario Bros. Avec un boss quand même gigantesque, assez épique. Et que tu bats, genre déjà tu bats le père et le fils ensemble. Tu dois voler le Koopa Clown Car du fils pour aller attaquer le père. Et je trouve ça assez stylé. Bon, oh, mais en plus je suis toujours Peachette. Ah bah non. Ah c'est dommage. Ah c'est dommage. J'aurais bien voulu voir Peach embrasser Peachette. Mais non. Oh. Salut! Elle l'embrasse quand même! Oh, bah il y a Carotin sur le côté! Je m'en souvenais plus de ça. Peach, elle serait aussi amoureuse de Toadette? Non, non, c'est juste un petit bisou sur le front, hein. C'est bon, c'est la moindre des choses, hein. On t'a quand même sauvé la vie, ma donzelle, alors bon. Elle mériterait peut-être même mieux que ça. Et le château est redevenu magnifique. Par contre, les douves autour du château sont énormes, quoi. Genre, on pourrait noyer je sais pas combien de Koopas là-dedans. Qu'est-ce que c'est que c'est... Qu'est-ce qu'elles ont les fenêtres? C'est parce qu'elles sont brisées qu'elles sont comme ça? Ah bah oui, c'est parce que le bateau il est complètement cassé à cause de Mario. Allez. Ah, il y en a un qui est tombé. Ah non, il s'est raccroché à Bowser. Mais non, mais c'est trop lourd. Ah là là. Bon ben voilà, c'est terminé. Il aurait dû peut-être avoir une phase de plus, mais je sais pas ce qu'ils auraient pu faire de plus épique. Alors, le bateau n'était pas capable de tirer tout le monde. Par contre, le petit Koopa Clown Car, il est capable de tirer tout le monde, bien entendu, hein. Ah non, mais Mario, va-t'en, t'as rien fait, c'est Toadette qui a tout fait. Et il y a plus Toad bleu. RIP Toad bleu. Même Carotin, il est là-haut. Il est peut-être derrière moi, hein, derrière ma tête, mais il était en haut du château. Et voilà les amis, vous pouvez laisser plein de pouces bleus, mais c'est pas totalement la fin quand même. On va même pas passer à New Super Luigi U tout de suite. On pourrait faire les défis, mais en fait non, parce que vous allez le voir. Je vais pas arrêter l'épisode maintenant, vous allez le voir. De toute façon, ça fait que 16 minutes que l'épisode a commencé, alors non, bien sûr que je vais pas l'arrêter maintenant. Je peux prendre l'un des Mario et tout? Ah ouais. C'est plus amusant que récupérer les pièces, non? Pourquoi j'y arrive plus? Bah... Ah d'accord. Ah mais attendez, mais si c'est lui qui les récupère, ça les compte aussi pour moi? Genre c'est pas séparé en fonction de la personne qui les a récupérés? D'accord, vas-y Luigi! Merci. Bon par contre la musique de fin là, waouh, c'est...
elle est pas ultra festive, elle est pas ultra cool, enfin je veux dire... Non, on a été habitué à mieux comme musique de fin quand même dans les Mario. Mais celle-là, un petit peu décevant quand même. Et il y a les Yoshi ballons, il y a les Yoshi bleus, enfin bébés plutôt, mais il n'y a pas les bébés Yoshi dorés? Où sont-ils? C'était mieux sur New Super Mario Bros. Wii, je crois que sur New Super Mario Bros. Wii, on détruisait les... Enfin, il n'y avait pas des blocs et on devait détruire justement les noms des créateurs du jeu en faisant des attaques rodeo et tout sur les blocs. Je sais plus comment ça marchait. Mais il y avait aussi des pièces, non? Ah, je sais plus. Ça fait longtemps. Mais New Super Mario Bros. Wii, ça fait longtemps que je l'ai pas fini. Puis je me souviens plus non plus de l'ending des autres Mario Bros. Je me souviens de l'ending de Mario 3D Land, c'était genre on s'envolait avec la tenue de Tanuki et Peach dans les bras. Ça c'était stylé, c'était trop mignon. 3D World c'était quoi? Bon je sais plus. Bref les amis, bah il est temps de me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce jeu. Moi comme je l'ai dit plusieurs fois, c'est pas pour moi le meilleur New Super Mario Bros. Bon, c'est clairement le plus joli, hein, ça c'est clair, mais c'est pas le meilleur pour moi, moi je préfère le 2, mais après je pense que c'est une question de goût, c'est pas une question de qualité, hein. Je pense que je suis clairement pas subjectif en disant ça, hein. Enfin clairement pas objectif en disant ça, mais je l'aime quand même beaucoup, mais pour moi c'est pas le meilleur. Mais il est quand même vraiment cool. De toute façon, la plupart des New Super Mario Bros sont quand même des super jeux, hein. Faut pas déconner quoi. Même le moins bon, ça n'empêche que ça reste un très bon jeu de plateforme. Après, ce qu'il y a, c'est que la Wii U, elle a eu des jeux de plateforme quand même bien meilleurs. Hein. Oh, peut-être pas énormément, mais elle a eu quand même Donkey Kong Tropical Freeze et Donkey Kong Country Tropical Freeze. Ah, Donkey Kong Tropical Freeze, je sais, je l'ai déjà dit, hein, mais bon, je le redis quand même. Pour moi, c'est l'un des meilleurs jeux de plateforme, peut-être pas du monde, mais c'est déjà le meilleur jeu de plateforme de la Wii U. Et c'est certainement le meilleur jeu de plateforme qui ait eu 2D, hein, qui ait eu dans l'histoire récente. Donc je pense quand même que Donkey Kong Tropical Freeze, vu qu'il est ressorti sur Nintendo Switch, est à ce jour le meilleur jeu de plateforme 2D de la Nintendo Switch. Après, vous pouvez argumenter, vous pouvez me dire « Non, je préfère Kirby !» Et il n'y a pas de souci. Mais New Super Mario Bros, il fait pas le figure à côté, je trouve, quand même, New Super Mario Bros. Il est très bien, il est surtout très bien en multi, mais en solo, non, il fait un peu pas le figure, même si, bon, c'est de la qualité Nintendo, quoi, c'est peaufiné à fond, le level design, il est aux petits oignons, les graphismes, la musique, c'est cool, même si, bon, côté graphique et côté musique, Donkey Kong est quand même 3000 fois au-dessus. Mais moi, en fait... Ce que je me demande, c'est qu'est-ce que Nintendo va faire ensuite comme jeu de plateforme Mario 2D. Parce qu'ils y reviendront forcément, ce sont les jeux les plus vendus. Hein. Les New Super Mario Bros. Se vendent plus que les Mario Odyssey, Mario Galaxy, etc. Hein. Ça paraît peut-être un peu triste, mais bon, c'est le cas. Donc, moi, ce que j'aimerais qu'ils fassent, c'est que Nintendo revienne genre à des Mario 2D, mais en graphisme 2D, à la mode... comme vous savez, les artworks qui font, genre les artworks 2D qui sortent dernièrement, qui sont super beaux, genre un Mario Bros 2D, mais dessiné à la main et tout, ce serait vraiment super beau, animé à la main, un peu comme Wario Land Shake It, ce serait vraiment cool. Bref, félicitations, vous avez terminé l'aventure! Une étoile a été ajoutée à votre fichier de sauvegarde. Vous pouvez désormais sauvegarder à tout moment. Et... Mais attendez, mais j'ai qu'une seule étoile. Vous pouvez maintenant accéder à une île mystère. Sautez dans un tuyau pour vous rendre là-bas. D'accord? Là, il y a bien un truc. On va d'abord aller voir le tableau. Je me demande ce que c'est. Emprunter les tuyaux pour rejoindre la route de l'étoile. Au fait, avez-vous trouvé toutes les pièces étoiles? Bah oui. Oui, j'ai trouvé toutes les pièces étoiles. Ah bah ouais, voilà. Vous avez trouvé toutes les pièces étoiles du château de Peach. Ça doit signifier quelque chose. Bah oui, d'accord, ça signifie ça, ça m'a même pas donné l'occasion d'y aller, que ça m'a déjà tout... que ça me montre déjà ce que c'est. Encore ? Mais qu'est-ce que j'ai fait ? Vous avez terminé tous les stages, ainsi que le château de Peach. Une deuxième étoile a été ajoutée à votre fichier de sauvegarde. On fait d'une étoile... d'une étoile un coup, même trois étoiles ! Vous avez trouvé toutes les pièces étoiles, dont celle du château de Peach. Une troisième étoile a été ajoutée, très bien, très bien, très bien. Votre aventure est terminée, on sauvegarde. Bon, je récupère ça. Et après on va aller sur le truc qui est au milieu. Il se passe un truc quand même. Genre c'est un truc de score, je sais plus comment ça marche. C'est où? Non. Voilà, île mystère, c'est là que je veux aller. Et ouais, c'est un espèce de truc, c'est un tableau de score en fait, je crois.
Ça nous indique combien de pièces on a récupérées, combien de vies on a récupérées, des trucs comme ça, je sais plus exactement. Voyons voir. Oh, il y a une Nintendo Switch. Avant, c'était une Wii U. Il y a un bloc pot. Il y a tous les power-ups du jeu. Ah, il y a un champi hélico. Non, pourquoi je suis sorti? Non, c'était un champi hélico qu'on voyait à gauche. Je suis pas sûr. Ça pouvait être aussi un champi normal et un autre objet. Hein, mais bon, allez, rentre-y à nouveau. Je voulais pas en sortir. Pourquoi ça m'a pas demandé de confirmer? C'est un champi hélico. Mais je crois que le champi hélico, il est dans le jeu. Hein. Je crois qu'on peut... Mais oui, c'en est un. Là, c'en est un. C'en est un, j'en suis sûr. Ça, c'est l'un des espèces de moai. Enfin, bref. Ah, il y a la tenue de pingouin aussi, là. Regardez, juste derrière. Par contre, elle est pas dans le jeu, je crois, elle. Donc, voyons voir. Pièces, j'ai gagné 12 317 pièces, 227 pièces étoiles, 46 Goomba éliminés, blablabla. Bon, je vais pas tout vous lire à haute voix, hein, parce que, bon, ça suffit, vous pouvez le lire vous-même. Compagnon soulevé, par contre, j'en ai eu 0, alors que j'en ai fait dans le générique. Charge au sol synchro 0, drapeau atteint 93... Stage terminé avec Baby Yoshi 11, c'est un record, j'en avais pas fait autant avant. Les ovations, on les a comment ça? Et victoire avec contre Carotin, pas avec Carotin, ok. Bon, bah parfait, ça c'est quoi? Ah, c'est pour voir les crédits du jeu? Non mais attendez, mais je veux pas revoir les crédits, hein. Pourquoi il y avait un point d'interrogation? Enfin, trois points d'interrogation. Il pouvait pas marquer crédit? Ou il y a peut-être un truc spécial qui se passe à la fin des crédits? Non, je pense pas, c'est juste... ils ont voulu faire une aura mystérieuse, alors que non, c'est juste les crédits, les amis. Donc, allons à la route de l'étoile. Et voilà, oui, il y a un monde secret, c'est pour ça que l'aventure ne se termine pas avec le château de Peach. Il va y avoir ce monde à faire. Route de l'étoile. Que je vais peut-être faire en une vidéo, hein. Route de l'étoile. Parce que là, on peut faire au moins deux niveaux, je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez, balade en Serpentos. Je ne sais pas ce que c'est que les Serpentos. Par contre, c'est difficile. Hein. C'est des niveaux assez difficiles. Et je sais pas s'il y a des pièces étoiles, si. Si. Et donc, pour débloquer, par exemple, la route de l'étoile niveau 1, eh ben, il faut réussir à avoir eu toutes les pièces étoiles du premier monde. Pour avoir la route de l'étoile niveau 2, il faut avoir toutes les pièces étoiles du monde 2, etc., etc., hein, vous avez compris. Et il y a même un niveau tout secret au milieu, mais pour l'avoir, eh ben, il faut avoir toutes les pièces étoiles du jeu. Enfin, toutes les pièces étoiles, en fait, de la route des étoiles. Mais de toute façon, pour avoir toutes les pièces étoiles de la route étoile, eh ben, il faut avoir toutes les pièces étoiles du jeu. Hein. On peut pas avoir l'un sans l'autre. Oh, 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 d'accord, ok. Pour l'instant, ça m'avait pas l'air très difficile. Eh bah si, 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 si. Aïe. Maintenant, j'ai même plus de quoi... Mais il va me tomber dessus, là, non? Ah non, il est tombé à côté, d'accord. Ah, je me disais, ça va trop vite, je pouvais pas le ramasser. Je sais pas si j'ai... Non, j'avais pas fini ça. Je sais que... Ok, très nul, très nul. J'avais pas fini ce monde dans ma série de New Super Mario Bros. U. Comment on l'a, celle-là? Ah, d'accord. Enfin, à l'époque de la Wii U, j'en suis sûr. Ouais, y en a qui peuvent nous toucher, hein. Ouais, voilà, comme lui. Alors là, faut que je fasse vraiment attention. Au prochain coup, je meurs. Et en plus... Non, j'ai réussi à voir. Ce serait bien, ça me sauverait la vie, ça. Non! J'ai pas sauté assez haut. Oh, non, mais c'est chaud, hein. C'est chaud, vous le voyez vous-même, hein. C'est assez impardonnable, en fait. Ces niveaux, c'est des niveaux qui ne rigolent pas. Mais on peut s'en sortir quand même. Donc ça s'appelle les Serpentos, les trucs des montagnes russes. C'est leur nom officiel en français. Parce qu'en anglais, ils s'appellent pas comme ça. Hein. Allez, un champi. Merci. Je comprends pourquoi ils nous donnent des fleurs de feu et pas une pitchette ou un champi gland dans ce genre de niveau. Parce que la pitchette, genre tu t'envoles et après le Serpentos il t'attend pas. Donc tu te retrouves à tomber dans le vide parce que le Serpentos, bah lui il a continué sa route. Il trace lui. Bon, je vais essayer de pas me faire toucher. Allez. C'est relou là par contre quand c'est super lent au début. Ok. Parfait. Ah, là, j'ai réussi à pas me faire toucher, c'est bien. Mais bon, j'ai quand même perdu... Ah, voilà. Non, 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 non. Oui, ça, c'est cool. Je vais récupérer l'étoile. Ça simplifie la vie, hein. Pas de ouf, mais bon... déjà, j'aurais moins évité certains trucs. Voilà, déjà, eux, ils me font moins mal. Ah, là, il y avait peut-être aussi une étoile dedans, hein, mais malheureusement, c'est trop tard. Ah, non! Sérieusement! Bon, là, j'étais déjà petit, non? Non! C'est lui qui m'avait rendu petit, je m'en souviens.
Mais c'est super chaud de sauter au moment où il y a les gros... Enfin, au moment où les trucs montent, en fait. Quand le Serpentos monte, c'est super chaud. Ok, parfait. Bon, bah, j'ai une pitchette. C'est pas dingue. Faut que j'évite de faire la toupie, en fait. C'est surtout ça. Ok, c'est bien. Perdre la pitchette, c'est peut-être le mieux, en fait. What? Ok. Mais c'est quoi la blague, là? Il n'y a pas de difficulté. What? Ok, je me suis pas fait toucher. J'ai eu beaucoup de chance. Attendez, je vais y arriver? Non, mais... Ça va être la fin, là. Attendez, faut que je m'apprête à sauter. Non, 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 si, 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 si. Oui! En plus, je suis même plus à 99 vies, hein. Mais ça, c'est un petit peu normal, quand même, hein. Bon, je pense quand même... Non, il y a quand même beaucoup de niveaux. Je suis pas sûr qu'on puisse tous les finir dans la prochaine vidéo, mais on verra. Oh, peut-être. Non, on les finira peut-être pas tous, mais... Je pense qu'il reste quand même deux vidéos avant de terminer le jeu. Mais dans pas la prochaine mais la suivante, je pense que j'en profiterai pour faire quelques défis. Ouais. Bref, les amis, nous on va en rester là pour cette vidéo de New Super Mario Bros. U Deluxe. J'espère que cette série vous aura plu. C'est pas la fin, hein, mais n'oubliez pas de laisser plein de pouces bleus pour me souhaiter bon courage pour la suite. Et on se retrouve très bientôt. Salut! Pop, pop.